Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens demandent, papa, c'est quoi ça? Ah, merci Seigneur parce que tu es bon. Ta fidélité est un bouclier pour ceux qui te servent. Nous avons passé un très bon moment ensemble dans les toilettes. Vous voyez? Et chacun a vu la place qu'occupent les hommes de Dieu dans les cœurs de plusieurs personnes dans cette génération. C'est l'image que les gens ont donnée et la position que beaucoup de personnes dans cette génération ont donnée aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont comme des chiottes. Les hommes de Dieu sont comme des WC. Les hommes de Dieu dans une maison, dans toute la beauté d'une maison, la place que les hommes de Dieu méritent, ce n'est pas le salon, ce n'est pas la chambre à coucher, ce n'est pas le lit, ce n'est pas le tapis, ce n'est même pas le repas dans la maison. Dans tous les cas, les hommes de Dieu sont considérés comme les toilettes, comme des chiffons, comme des va-nu-pieds de vauriens. La place qu'ils méritent dans l'église, c'est-à-dire, c'est les toilettes. Ils n'ont aucune valeur. C'est-à-dire, ils ne méritent pas de grâce, de gloire, d'honneur, de bénédiction. Rien. Ils ne méritent même pas de respect. Pourtant, l'Église ne peut pas être Église sans les hommes de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est leur sacrifice qui fait l'Église. C'est leur prière qui fait l'Église. C'est leur consécration à Dieu qui fait l'Église. C'est leur vocation qui fait l'Église. Beaucoup de personnes sont délivrées par les hommes de Dieu. Beaucoup de personnes retrouvent le chemin de leur destinée grâce aux hommes de Dieu. Mais en retour, quelle est la place que vous leur donnez? Vous nous donnez quelle place? Les chiottes, les toilettes. Pour peu qu'un homme de Dieu s'habille bien, c'est un voleur, c'est un escroc. Pour peu qu'un homme de Dieu roule dans une voiture belle même où, c'est-à-dire qu'une voiture, le moteur même va se couler d'ici, va couler d'ici une semaine, 2 semaines, s'il a une grande longévité. Il dépouille le peuple. Pour peu que l'enfant d'un homme de Dieu fréquente aussi dans un collège privé, voilà, les pauvres ne vont pas à l'école, c'est vos enfants qui vont dans les collèges privés. Mais personne ne les apprécie pour le sacrifice qu'ils font. Personne n'organise une fête pour célébrer leur sacrifice. Personne ne voit qu'ils sont séparés de leur famille. Personne ne voit que leurs enfants ne les voient presque jamais. Personne ne voit qu'après les cultes, après les services ou avant les services, ils sont dans le lieu secret pour chercher la face de Dieu pendant que vous vous jouissez de votre femme ou bien de votre mari ou bien pendant que vous jouissez de la présence de vos enfants. Personne ne considère cela. C'est des va-nu-pieds. C'est des bandits. C'est ça que vous voyez. Mais tu ne vois pas les milliers de démons qui te poursuivaient avant que tu n'arrives à l'église. La Bible dit, frappe le berger et les brebis se disperseront. C'est une parole puissante qui reflète la réalité de la pensée du diable. Dans une église, dans une assemblée locale, lorsque le diable arrive, il cherche à frapper le berger. Parce que si ton pasteur est frappé, alors le troupeau se dispersera, le diable va t'égorger facilement. Lorsqu'un berger est un bon berger, comme Jésus-Christ a dit, Ego eimi he opohimen ho kalon, moi je suis le bon berger. Lorsqu'un berger veille sur son troupeau, le diable ne peut pas toucher aux brebis de son troupeau, ce n'est pas possible. Il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. En retour, qu'est-ce qu'il mérite? C'est la honte, c'est l'ignominie, c'est le sarcasme, c'est l'infamie, c'est l'insulte. C'est les moqueries, c'est les railleries.
Pour peu qu'un homme, donc pour vous, les hommes de Dieu ne méritent pas. Pour certaines personnes, hein, les hommes de Dieu, et ça, c'est la malédiction des francophones. Ça n'existe pas chez les anglophones. C'est la malédiction des francophones. C'est la malédiction des francophones. Les anglophones n'ont pas ce problème. Et le plus souvent, les personnes même qui s'érigent contre les hommes de Dieu, c'est les personnes qui ne vont pas à l'église. Hein. Des personnes qui ne connaissent rien, ne comprennent rien de la vérité biblique. Des personnes dont l'âme est agitée par les flammes de la géhenne. Des personnes inspirées par le diable pour semer le trouble dans la maison de Dieu. Mais la Bible dit néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, mes amis, quelle place est-ce que tu donnes à ton pasteur? Quelle place tu donnes à ton homme de Dieu? Quelle place est-ce que tu donnes à ton père spirituel? Les hommes de Dieu au Cameroun sont méprisés. Les hommes de Dieu au Cameroun sont méprisés. C'est pour ça que cette nation est en train de se détruire sous nos yeux. Nous voyons, il y a des nations comme le Nigeria où les hommes de Dieu sont respectés. Nous voyons cela. Regardez le Ghana, le président du Ghana, vous voyez, avant celui-ci, était un homme consacré à Dieu, consacré à Jésus, consacré à Jésus. Et en un laps de temps, le Ghana s'est levé. Aujourd'hui, le Ghana, ce petit pays par rapport au Cameroun, est une nation redoutée par l'Europe, une nation où le président parle à Macron avec autorité et Macron tremble. Pourquoi nous, on ne peut pas faire cela? Tu tentes ça, le lendemain, on t'enlève. Tu perds ta position. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Quelle est la place que les hommes de Dieu, avec qu'est-ce que les hommes de Dieu représentent même pour vous, vous les francophones? Avec vous bavardez, mangez, tu n'as pas. T'en sortis, tu n'as pas. La nuit, tu ne dors pas. Au lieu de venir, on prie pour toi. Tu bavardes, tu parles, tu insultes et tout cela. Je voudrais bénir Dieu, lui rendre grâce pour la grâce qu'il m'a faite. Dieu nous a bénis. Un instant. Le Seigneur nous a bénis. Vous savez, nous avons été positivement marqués hein, par la grâce de Dieu. J'ai fait une vidéo dimanche, la vidéo de mon entrée. Nous sommes plus trop loin du million de vues. Et ça, comment dire ça? C'est un exploit. Et c'est grâce à nos internautes que nous avons atteint ce niveau. Dans mon âme, vous bénis. Merci pour tous ceux qui ont été connectés. Merci pour ceux qui se sont connectés et qui ont permis que cela soit rendu possible. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous êtes connectés, qui nous ont permis, vous qui nous avez permis d'atteindre bientôt le million de vues. C'est un don de Dieu, c'est une grâce de Jésus-Christ dont je suis très reconnaissant. Alors, dans la vidéo, vous voyez, c'est mon entrée à l'église avec la sécurité. Les gars sont là pour la sécurité, à gauche et à droite. Et cette vidéo est devenue tellement virale que moi-même, ça m'a étonné. J'ai dit que la prochaine fois, je vais mettre un de mes gardes du corps là, sur le toit de la voiture. Dimanche prochain, là, un va monter sur le toit, mais les gens, on le porte, on le met dessus. Et ça passe en direct. Donc, en fait, les gens se disent, nous sommes tellement moins chers, nous sommes tellement dévalorisés aux yeux de certaines personnes que nous ne méritons pas la sécurité, que nous ne méritons pas l'honneur, que nous ne méritons pas le respect, que nous ne méritons pas que les gens aient comment, du respect, de la considération pour nous. Vous savez qu'il y a des générations d'hommes de Dieu qui sont arrivés, vous les avez méprisés, vous les avez houspillés, vous les avez piétinés sous vos pieds. Mais nous, là, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Nous sommes une génération entêtée et têtue, une génération que Jésus-Christ a préparée pour cause. C'est-à-dire pour cause du mal qui a été fait aux hommes de Dieu. Je parle surtout du Cameroun, hein, parce qu'il y a beaucoup de nations qui sont évoluées. C'est-à-dire au Nigeria,
Les hommes de Dieu sont escortés. C'est même le gouvernement qui les escorte. Donc vous pensez que un pasteur, pour le travail qu'il fait, pour l'éducation qu'il donne aux citoyens, ne mérite pas que le gouvernement, comme au Nigeria, comme au Ghana, comme au Zimbabwe, comme en Afrique du Sud, puisse donner des policiers, des militaires pour veiller sur l'homme de Dieu? Je suis arrivé au Burkina Faso, mon dernier voyage au Burkina Faso. Non, les autorités ont dit que vu le contexte dans lequel nous vivions, il était important que je sois escorté. Et ils savaient que je ne voulais, je n'aimais pas ça. Ils m'ont dit, prophète, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Si quelque chose arrive ici, là, on est dans les problèmes. Donc, c'est les, ou c'est, ils appellent, c'est les SRS, ou SRS, quelque chose comme ça. C'est l'unité d'élite de l'armée burkinabé qui m'a escorté pendant tous ces jours et qui m'a gardé. Leur voiture était devant, armée jusqu'aux dents. Ceux qui fendaient la route de l'embouteillage, là, tout le monde se mettait à côté pour que j'arrive à l'heure à l'église. Vous pensez qu'ils sont fous? Ils ne méritent pas cela. Nous ne méritons pas ça. Les hommes de Dieu ne méritent pas d'être gardés. Tout gouvernement responsable doit prêter attention aux hommes de Dieu. Parce que par les hommes de Dieu, par la parole qui sort de notre bouche, il y a des bandits et des brigands qui aujourd'hui sont devenus des citoyens honnêtes. Il y a des femmes qui étaient des prostituées par qui le diable passait pour répandre les MST, les IST, les VIH, etc., etc., qui se sont repentis, qui ont donné leur vie à Jésus et mènent une vie de droiture aujourd'hui, et à cause de leur conversion, de la prostitution, est en train de régresser. Il y a beaucoup de sorciers qui ont abandonné les armes magiques pour revenir à Dieu, pour devenir des citoyens honnêtes. Il y a beaucoup de personnes, des voleurs qui détournaient les fonds publics à cause de la puissance de l'évangile prêché par les hommes de Dieu. Aujourd'hui, c'est des citoyens honnêtes. Vous pensez que ce travail, c'est un petit travail? Et donc, le gouvernement ne devrait pas trouver que les hommes de Dieu méritent l'honneur d'être honorés, d'être gardés, d'être protégés. Vous pensez? Donc, il faut que les gens comprennent. Ce que vous pensez m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est ce que la Bible enseigne. Beaucoup de personnes diront, non, oh, vraiment, voilà le prophète, il se garde, il est gardé. Hein? S'il est gardé, Dieu lui-même, et alors où? Ce n'est pas Dieu qui nous garde. Merci beaucoup. C'est Dieu qui nous garde. Grand merci à toi. C'est Dieu qui nous garde. Il n'y a pas de problème. La Bible dit dans Somme 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est Dieu qui nous garde. Mais Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Soyez prudents comme des serpents. Je dois être prudent encore comment? Quand Dieu me garde. Non, comme Dieu te garde, saute du balcon de ta maison. C'est Dieu qui te garde. C'est ça la réalité. Saute du balcon. Comme Dieu te garde, on va voir comment Dieu va te garder là-bas. Les gens ne comprennent pas que la première sécurité, la première responsabilité de ta sécurité vient de toi-même. C'est de toi-même que ça vient. Il faut faire attention. Garde-toi d'abord et Dieu commencera à te garder au point où tu ne peux plus te garder. C'est là. Ne te néglige pas. Ok, il y a la mer, tu ne peux pas nager, tu sautes de la mer parce que Dieu a dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arabes dans le... Tu vas te noyer, tu vas finir le verset biblique là au fond de la mer. Tu vas venir après m'expliquer comment ça s'est passé. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas l'Écriture. Ils ne comprennent ni la puissance de Dieu, ni les Saintes Écritures. Donc, vous pensez qu'avec tout ce sacrifice, Jésus-Christ vivait comment? Les apôtres vivaient comment? Comment est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous avez même d'abord la Bible? Puisque la vérité, c'est que dans la plateforme de Facebook, n'importe qui vient raconter n'importe quoi, n'importe qui raconte n'importe quoi, et ça, c'est très sérieux ce que je dis. Des personnes que vous allez chez elles, vous ne trouvez même pas la Bible. Les personnes qui n'ont jamais touché la Bible du bout de leurs doigts. Et même celles d'entre elles qui ont la Bible ne l'ont jamais lue. Et même celles qui la lisent ne savent pas comment la lire. C'est ça le problème. Donc il faut que les gens puissent comprendre que nous aussi là, vous ne pouvez pas. Ce qui arrive aux générations des hommes de Dieu passés, ce n'est pas possible avec nous. Nous là, Dieu nous a préparés, on est des guerriers. Nous vous tiendrons tête. Nous écraserons toute fausse doctrine qui veut s'ériger en vraie doctrine. Pour remplacer la vraie doctrine et faire de la vraie doctrine la Bible, la fausse doctrine. Ça n'arrivera pas. Cette fois-ci, ce n'est pas possible. Nous sommes très dangereux. Plus dangereux que ce que vous pouvez imaginer. Nous avons été préparés par le roi des rois dans le secret. Nous avons été préparés tel que vous ne pouvez même pas imaginer. Et à cause de cela, je dis la vérité, vous aurez vraiment du fil à retordre avec nous, avec ces générations que Dieu a suscitées. Nous sommes pionniers d'une œuvre révolutionnaire. Nous sommes venus frayer un chemin.
où personne avant nous n'a réussi à frayer ce chemin. Nous sommes venus rétablir la gloire du ministère, rétablir la gloire des hommes de Dieu et rétablir la gloire de Jésus-Christ dans son Église et dans ses nations. Le Cameroun respectera les hommes de Dieu, que vous le vouliez ou pas. Par tous les moyens, vous finirez par respecter les hommes de Dieu. Cette terre n'est plus loin. Elle arrive et Dieu nous a envoyés comme des signes avant-coureurs, comme des précurseurs de cette terre où le nom de Jésus sera respecté, où ses serviteurs seront respectés dans cette nation. Vous serez obligés de le faire. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète allait vers le roi, mon ami, il n'entrait pas n'importe comment. On annonçait le prophète. Le protocole annonçait le prophète. Maintenant, je voudrais parler des hommes de Dieu. Ça veut dire l'honneur dû aux hommes de Dieu. L'honneur qui est dû aux hommes de Dieu. On va parler de ça. Bibliquement, on va regarder. Maintenant, lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, les gens parlent. Maintenant, on va lire un peu la Bible. Pour vous qui n'avez pas, je ne veux même pas lire en grec pour que quelqu'un ne dise même pas que non, je n'ai pas pu suivre parce qu'il a lu le texte en grec. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, les hommes de Dieu, vraiment, c'est des bandits, c'est des voleurs. Ils ne voient jamais le bien que les hommes de Dieu font. Hein. Quand vous faites bien, ces personnes n'apparaissent pas. Elles ne parlent pas. Elles ne parlent pas. Quand vous accomplissez ce qui est droit, elles ne parlent pas. Pour peu de choses, elles sont prêtes à sortir de leurs gonds, de leurs gants et de dire n'importe quoi et parlant au nom de la Bible comme des personnes connaissant la Bible. Et les âmes mal affermies, qui elles aussi sont ignorantes des vérités bibliques et des réalités spirituelles, vont lire ces commentaires, vont regarder ces choses-là et puis vont prêter attention à cela. D'abord, je veux vous remercier. Je remercie Dieu. Nous avons près de 700 000 vues pour une vidéo d'environ 24 heures. 700 000 vues, mes amis, c'est un grand record. Je ne saurais continuer cette émission sans vous manifester ma gratitude à vous tous qui avez vu la vidéo. Je vous dis merci et je vous exhorte à continuer à vous abonner. Abonnez-vous, pardon, pour moi, c'est très important. Maintenant, les autres discussions, les mésententes, la Bible dit, si quelqu'un est d'un autre avis, Christ l'éclairera. Donc, on ne peut pas toujours avoir le même avis. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport au sujet? C'est très important. Hein? Et je ne parle pas parce qu'il y a eu des commentaires. Le programme de cette semaine, j'allais parler des hommes de Dieu, le mépris des hommes de Dieu au Cameroun et surtout dans les zones francophones, pas dans les zones anglophones. Je répète encore, dans les zones anglophones, les hommes de Dieu sont honorés. C'est normal qu'un homme de Dieu ait le jet privé. En Afrique du Sud, que ce soit au Nigeria, ils sont pleins, on n'en parle pas. Je sens que le premier homme de Dieu au Cameroun qui va acheter le jet privé, les Camerounais vont le lapider d'abord. Et c'est misérable. Sincèrement, c'est misérable. C'est nous qui devrions honorer nos pasteurs, honorer nos hommes de Dieu. Parfois, même quand vous arrivez en route, un policier vous voit, quand vous dites, vous vous présentez, je dis, pasteur tel. Le monsieur était d'abord sur un aspect de respect. Au Cameroun, un aspect de respect. Dès que vous dites, pasteur, ah, le gars entre maintenant, gars, c'est comment? Ça dit, il entre dans le mépris. Il se dit, ah non, non, ce n'est qu'un pasteur. Non, mes amis, un homme de Dieu, c'est une autorité spirituelle. Si vous ne voulez pas accepter ça ou reconnaître ça, nous, on va vous imposer ça. On va vous imposer ça. C'est-à-dire que Dieu nous imposera sur vous. Vous serez obligés. Tu vas insulter, tu vas bavarder, mais au fond de ton cœur, tu reconnaîtras que l'homme s'y me dépasse. C'est ça la vérité. Tu reconnaîtras, tu peux insulter, tu peux faire les commentaires comme tu veux. Il n'y a aucun problème. Fais-le. Mais fais-le en bon français, je t'en prie. Si tu ne fais pas en bon français, je vais beaucoup me fâcher contre toi. Insulte-moi, mais insulte-moi en bon français. Et en finissant, abonne-toi. On a besoin de vues. Merci d'abord pour les vues. Mes amis, près d'un million de vues, c'est un miracle. C'est un miracle. Je ne peux que manifester une sincère gratitude envers vous tous. Vous tous qui avez été connectés, qui avez regardé la vidéo, qui avez commenté, en bien ou en mal, je vous dis merci. C'est extraordinaire. Mais il faut que vous compreniez une chose. Que vous respectiez les pasteurs ou pas, beaucoup d'entre vous, vous allez vous repentir. Ça, c'est vrai. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous parlez dans l'ignorance. Jésus-Christ a dit, le temps vient, il est déjà venu, où les hommes vous feront mourir, pensant rendre un culte agréable à Dieu. C'est-à-dire, les gens penseront défendre Dieu dans leur ignorance, mais pourtant sont tentés de pécher contre Dieu. Ouais. C'est pour cela que pour moi, il est importantissime de revenir parfois ressasser, tabler, caracoler autour de certains passages bibliques pour donner de l'éveil à ceux qui peuvent être sauvés. Il y a des personnes qui aiment Dieu, mais qui sont ignorantes. Dieu peut les éclairer. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est de notre avis, Christ l'éclairera. Mais vous devez savoir, les hommes de Dieu doivent être respectés. Et je vais vous montrer ça bibliquement. Voilà, il y a des gens qui disent, non, les hommes de Dieu n'ont pas droit à la sécurité. Je vous montrerai qu'avec Jésus-Christ,
on n'approchait pas de Jésus n'importe comment. Je ne parle pas. On va lire des versets bibliques pour que vous compreniez bien. Les gens disent, non, Jésus était simple. Qui vous a dit qu'il était simple? Non, Jésus était humble. Qui vous a dit que Jésus-Christ était humble? Humble ne veut pas dire qu'on n'a pas de la personnalité. Jésus-Christ était très fort du caractère de personnalité. Jésus-Christ est entré dans le temple à une occasion et il s'est mis à fouetter les gens. Il y avait les papas dedans. Si j'arrive dans une église, j'enlève ma ceinture, je commence à fouetter les gens. Venez défendre ce Jésus alors. Venez le défendre maintenant. C'est l'humilité là-bas. Et c'est ça, c'est l'humilité. Jésus-Christ s'est enlevé, il a pris la chicotte et il chassait les vendeurs. Et il y avait des vieillards parmi, il y avait des mamans parmi, il y avait des papas parmi. Jésus les a fouettés. Et vous venez dire, oh, Jésus, vous ne connaissez pas Jésus. Peut-être vous parlez d'un autre Jésus que le Jésus de la Bible. C'est ça la vérité. Je pense que les gens parlent de Jésus, la tradition orale. Et puis, sans connaître vraiment qui était Jésus, sans comprendre la personne de Jésus, la personnalité de Jésus-Christ. Mon ami, Jésus a fouetté les gens. Si c'était moi, c'est que j'ai même 3 millions de vues. On vous montre une séquence où j'entre à l'église, je prends la chicole, je fouette les gens, n'importe les gens à la maison, arrêtez les gens, je fouette les papas, oh, papa, oh, papa, ils sont dans le cœur, je fouette. La vidéo sera encore très virale. Si c'était aujourd'hui, cette vidéo, Jésus aurait même eu 50 millions de vues où les gens l'insulteraient. Regardez un jeune homme de moins de 30 ans qui tape sur ses parents, qui tape sur ses mamans, qui tape sur ses aînés, qui tape sur ses petits frères. C'est encore quel genre de serviteur de Dieu comme ça, un faux serviteur de Dieu. C'est ça la vérité. C'est ce que vous auriez dit. Ce Jésus que vous voulez prétendre défendre sans connaître. Comment peux-tu défendre quelqu'un que tu ne connais pas? Moi, je te parlerai donc de mon Jésus. Parce que je l'ai connu. Et je l'ai vu plusieurs fois. Jésus-Christ, c'était un jeune homme. Hein? C'était un jeune homme. Mon petit frère de très loin. Un jeune homme. Mais il faut comprendre quelque chose. Jésus-Christ, quoi qu'étant un jeune homme, il arrive et trouve les apôtres. Et il leur demande, petits enfants, n'avez-vous rien mangé? Et ils disent non. Mon ami, tu appelles l'apôtre Pierre, ton grand-père, petit enfant. Si j'étais arrivé et que les gens me voient, je vois le vieillard et je leur dis, petits enfants, ça va petit? On dirait, regarde l'orgueil, c'est ça l'humilité. Toi-même qui défends Jésus, que Jésus était humble, il appelle les apôtres, petits enfants, toi-même, tu allais dire quoi? Tu allais dire quoi? Que c'est l'humilité. Tu allais l'insulter. Hein? Tu allais l'insulter. Mais c'est quel pasteur orgueilleux comme ça qui vient appeler ses parents petits-enfants? Hein? Comment il peut appeler ses parents petits-enfants? Comment peut-il aller appeler ses apôtres qui étaient ses aînés? Il les appelle petits-enfants. C'est un problème. C'est un problème. C'est ce Jésus-là que vous allez dire qu'il était humble, n'est-ce pas? Celui que vous défendez. Si moi j'appelais les papas comme ça, petits-enfants, vous diriez quoi de moi? Je suis orgueilleux. Vous le connaissez, vous n'avez pas connu Jésus, vous n'avez pas connu le caractère de Jésus. Et une autre chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est quoi? C'est que il y a une femme païenne qui vient rencontrer Jésus et elle a besoin d'un miracle. Sa fille a un problème et elle veut que Jésus intervienne. Et Jésus l'appelle chienne. Carrément. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Il appelle la femme chienne. Et la femme comprend. Et elle lui dit que oui, mais les chiens mangent quand même les miettes. Si c'est moi, quelqu'un vient, vous voyez en direct où quelqu'un vient et dit, je veux la prière. J'ai dit que chienne, je ne prie pas sur toi. La prière, la l'onction, si c'est pour les enfants de Dieu. Ça serait viral. Voilà un forme de Dieu. Il a insulté une femme chienne. Vous parlez de ce que vous ne comprenez pas. La Bible est plus complexe que ce que vous pensez. Et on la comprend par le don de Dieu. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Maintenant, la Bible explique, les gens disent que non, vraiment, les hommes de Dieu n'ont pas droit à l'honneur. Donc, on ne doit pas honorer les hommes de Dieu. On ne doit pas nous honorer. Parce que nous ne méritons pas cela. Pour peu qu'on honore un homme de Dieu, on se dit que non, vraiment, avec tout le travail qu'il fait, on va le respecter. Nous, nous voulons l'honorer. On dit que vous honorez les bandits, les voleurs. Ah, la Bible, est-ce que Jésus était honoré? Non, il était déshonoré, mon ami. Il était très, très déshonoré. Comme tu t'appelles honoré. Donc, lisons un peu ce que la Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 17. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que les anciens qui dirigent bien
soient jugés d'un double honneur. Qu'on les honore pas seulement, mais qu'on leur donne la double portion de l'honneur. Il dit surtout ceux qui prêchent et ceux qui enseignent, comme moi. C'est ça le problème. Vous parlez d'une Bible que vous ne lisez pas. Parfois, vous faites des commentaires. Je lis parfois certains commentaires. Je demande que celui-ci confond le Coran à la Bible ou bien quoi. Ou le livre rouge de Mao Tse-Tung à la Bible quoi. La Bible dit que si tu es vraiment un chrétien, toi qui m'écoutes, tu es un vrai chrétien, tu dois honorer doublement ceux qui prêchent la parole de Jésus-Christ. Tu dois les honorer. Ça veut dire que ton comportement vis-à-vis d'un homme de Dieu, si tu n'honores pas un homme de Dieu, tu pèches contre la parole de Dieu. Pas contre nous, hein. Tu pèches contre les recommandations de la Bible. Et si tu es un chrétien, tu dois respecter ce que la Bible dit. Il dit que celui qui prêche, hein, il dit quoi? Il dit que celui qui prêche, hein, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est-à-dire vos enseignants, vos pasteurs. Il dit qu'on les honore, mais d'un double honneur dans l'Église. C'est ce que la Bible dit. C'est là, maintenant, qu'il faut comprendre ce que la Bible dit vraiment sur les hommes de Dieu. Hein? Les gens disent, non, vraiment, les hommes de Dieu n'ont pas droit à l'aisance financière. Oh, les hommes de Dieu ne doivent pas prendre quoi que ce soit de fidèle. Mais c'est quel genre de génération comme celle-ci-là, sincèrement. Nous sommes dans une génération où ça veut dire que dans un homme de Dieu, il demande les offrandes, c'est un escroc. Un homme infidèle vient lui offrir quelque chose, c'est un bandit, il dépouille le peuple. Donc, on peut dire quoi? Dans les églises, il faut plus les offrandes, il ne faut pas les dîmes, il ne faut pas susciter des partenaires. Les chrétiens, les fidèles ne doivent plus cotiser pour la cause de l'œuvre de Dieu, etc. Vraiment, quelle bassesse, mes amis. N'exposez plus votre honte comme ça sur Facebook. Et j'ai eu l'habitude de dire que lorsque vous arrivez sur ma page pour parler de la Bible, tournez bien votre langue cette fois. Attachez bien votre ceinture avant d'avancer les questions doctrinales dans la Bible. Parce qu'on n'a pas affaire à un enfant en ce qui concerne les Écritures. Dieu nous a amené très loin dans cette histoire-ci. Vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'où Dieu nous a amené. Donc, si un frère donne quelque chose au pasteur, le pasteur le dépouille. On offre une voiture à un pasteur, on l'a dépouillé. Donc, le pasteur peut lui porter une belle chaussure au pied. C'est un bandit. Il peut lui mettre un bon costume, là, bien cintré sur lui. C'est un escroc. Quelqu'un sort quelque chose, il fait un don à l'église, on le dépouille, on le vole. Bon, vous avez vu ça où dans la Bible? Votre position, c'est quoi? Votre vision, là, votre doctrine, c'est quoi? Quel passage de la Bible le dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne plutôt? Sans le savoir, vous vous érigez contre les lois établies par Dieu dans son église. Et ce n'est pas contre un homme que vous vous élevez, c'est contre Dieu, sans le savoir. Mais je prie que Dieu pardonne votre ignorance, que Dieu pardonne. Certaines personnes sont tellement, ça dit que amères de jalousie, aigries de voir les hommes de Dieu bénis. Vous aviez pensé qu'on va toujours mourir pauvres, comme nos parents ont servi dans la misère, la galère. Nous aussi, non, non, il y a 20 ans pour tout, mon ami. Dieu avait prévu que ça va finir. Maintenant, nous aussi, on va aussi rouler dans les belles voitures. On va aussi construire des belles maisons. On va construire des belles maisons. Que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, que tu te fâches ou que tu ne te fâches pas, que tu insultes ou que tu n'insultes pas, ça ne changera rien. On va mettre de beaux costumes. De beaux costumes. Ouais. Le temps va venir, on va m'acheter les jets privés. Si tu es fâché, soit tu cales en l'air. Ça n'empêchera pas la volonté de Dieu. La Bible dit, dans 2 Timothée 2, verset 19, il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et ceux, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, nous, on est tellement maudits qu'on n'a pas droit. Donc, toi, tu peux manger le saumon, tu manges des ailes de dinde. Moi, quand je suis passé, je suis maudit, je dois manger le tapioca avec la tête de Mbunga. Mon ami, on va manger les ailes de dinde ensemble. De toi, tu as le droit de rouler dans de belles voitures. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que dehors, là, les gens, les marabouts peuvent acheter de grosses voitures. Les marabouts sont là, ils prennent l'argent aux gens. Ils font ça, on ne parle pas de ça. Quand les vraies sommes de Dieu arrivent et que Dieu commence à les bénir, non, c'est des escrocs, c'est des bandits. Mon ami, on va se bousculer dans le marché de voitures. Là, on va acheter les premiums ensemble. Que tu sois d'accord ou pas, ça sera comme ça. Nous, on va aller dans les grands supermarchés en tant qu'homme de Dieu. Nous le méritons. Si vous ne jugez pas que nous méritons ça, nous-mêmes nous jugeons que nous méritons et nous allons vous imposer notre mérite.
On va acheter les belles chaussures, pointillini, on met au pied, carolini, on met au pied, triangulini, on met au pied, losangilini, on met au pied, toutes les marques, toutes les coupes, on va mettre ça ensemble, mon ami. We go put them together with you. Tu es fâché, soit tu cales en l'air, mais on va mettre ça ensemble. C'est vous qui avez droit au bon restaurant, au bon endroit, au bon milieu. Hein? Donc quelqu'un, un autre, ne doit rien prendre de ses fidèles. Pour peu que tu prends, tu demandes l'argent à l'église pour l'œuvre de Dieu, tu es un bandit, tu es un voleur. Oh, il mangeait l'argent à l'église, tu voulais que j'aille manger l'argent à l'hôpital. Donc c'est l'argent, je travaille à l'hôpital, je travaille à l'église. Jésus-Christ a dit que celui qui fait le travail à l'hôtel doit manger à l'hôtel. L'hôtel doit le nourrir. C'est-à-dire que celui qui travaille à l'hôtel, c'est-à-dire on parle de l'hôtel de l'église, hein, je t'explique ça. Toi, tu insultes Mathieu Simba, tu vas croire que c'est un hôtel où on va habiter. Non, c'est l'hôtel de Dieu. Hein, que celui qui travaille à l'hôtel, qui fait le service à l'hôtel, doit être nourri par l'hôtel. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Voilà son enseignement. Voilà pourquoi nous, sacrificateurs, nous vivons de ce que notre travail produit. Oh, il mange l'argent des fidèles. Tu voulais que j'aille manger l'argent du chef de l'État? C'est un problème que les gens doivent comprendre. Donc, non, on ne doit rien prendre. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous lisez Galates 6, verset 6, si tu es vraiment chrétien, écoute bien ça. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. La Bible enseigne que comme je t'enseigne là, envoie-moi l'offrande après. Envoie-moi l'offrande. Attendez, je vous donne un numéro orange là rapidement. Ceux qui veulent obéir. Toi qui veux obéir hein, à cette parole, quand je t'envoie d'abord, tu dois me faire part de tous tes biens. C'est ça la Bible. Non, on va pratiquer ça littéralement. Ne fuyez pas. Manoron. Attends, attendez un instant. Voilà. Donc, fais-moi part de tes biens, oh. Plus 237, 692, 40, 71, 86. Si tu es vraiment chrétien, fais orange money rapidement, s'il te plaît. La Bible dit que comme je te presse là, après, il faut que je mange bien, je boive bien. Donc, envoie ton offrande au 692, plus 237, 692, 40, 71, 86. Je m'amuse parce que je suis très sérieux. Ça, c'était orange money. Maintenant, Momo, voilà, attends. Momo, je t'envoie ça rapidement, rapidement, selon Galates 6, verset 6. Je ne veux pas pécher contre Dieu là-haut, pardon. Plus 237, 672, 13, 0, 3, 23. Plus 237, 672, 13, 0, 3, 23. Ça, c'est Momo. Envoie rapidement, pardon. Fais vite, obéis à la parole. Ne résiste pas à l'écriture. Donc, Seigneur, vraiment, je vais pécher, Seigneur. Je leur ai demandé d'envoyer rapidement, selon ta parole. Au nom de Jésus, amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part à tout, de tous ses biens, tous ses biens, son argent, sur le plan matériel, sur le plan financier, il doit donner la part de celui qui lui enseigne la parole. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bien-aimé, je t'enseigne, je veux manger quoi après? Envoie-moi l'argent. Envoie-moi tout ce que tu peux envoyer rapidement. Rapidement, rapidement. Fais orange money, fais momo. Ce n'est pas l'escroquerie. C'est la Bible que tu seras en train de pratiquer. Si tu écoutes vraiment la parole, si tu es vraiment un vrai chrétien, après ça, cherche-moi avec l'offrande. Tu m'envoies ton offrande. Rapidement, rapidement, rapidement. Rapidement. Si tu vends les habits, tu m'envoies le costume. Tu vends les chaussures, tu m'envoies. Parce que la prédication que je te donne te délivre des chaînes de l'adversité et apporte l'ouverture des portes fermées dans ta vie et apporte les bénédictions des trésors, des écluses, des cieux dans ta vie. Et l'apôtre Paul dit donc que lorsque cette prédication commence à produire, lorsque ma prière commence à produire, ne sois pas ingrat. Coupe aussi ma part. Souviens-toi de celui qui a prié. Comme tu manges, qu'il mange aussi. Comme tu es vêtu, qu'il soit aussi vêtu. Comme tu es à l'abri, qu'il soit aussi à l'abri. On prie pour toi, on te presse l'évangile, ça t'ouvre les portes, tu construis des maisons, tu peux construire des maisons, construis aussi une maison pour celui qui t'a prêché. Parce que si tu n'avais pas prêché, tu serais encore dehors, tu serais en location. C'est ça la vraie Bible. C'est ça la vraie doctrine, mes amis. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, nous qui vous demandons même, vous nous poussez à pécher. On ne doit pas te demander si tu es un vrai chrétien. Tu donnes toi-même, parce que tu as lu que la Bible dit que dès que tu écoutes, tu dois donner à celui qui t'enseigne la parole. Donc, c'est ça. Je vais dire à tous mes amis qui insultent que les hommes de Dieu escrocs, ils ne doivent rien recevoir. Lisez le passage si vous m'envoyez vos offrandes. Vous-même, je commence par vous. Envoyez vos offrandes rapidement. Sinon, Dieu va se fâcher contre vous parce que vous péchez contre Dieu. Donc, ce n'est pas moi qui pêche contre Dieu. Je ne devrais même pas vous demander. Tu serais en train d'envoyer l'argent là rapidement si tu étais vraiment chrétien et si tu étais éduqué. Bon, tu peux être chrétien sans être
éduqué. Ça aussi, c'est la vérité. Donc, mes bien-aimés, celui qui veut pratiquer la Bible va obéir à ces commandements-ci-là. La Bible dit que celui qui te prêche la parole là, ne le laisse pas comme ça. Ce que Dieu te donne, tu donnes sa part. Si Dieu te donne l'argent, tu coupes sa part dedans. Dieu te donne les habits, tu coupes sa part. Tu as la capacité d'acheter des chaussures, tu donnes sa part. Tout ce que Dieu te donne, tu donnes la part de ton prédicateur. Donc donne ma part maintenant. Ma part maintenant. Donne ma part maintenant, c'est ça. Nous souffrons pour vous. On ne dort pas. La nuit, on combat les démons de ton village, les démons de ta grand-mère, de ton grand-père. Même ton aïeul sorcier là ressort de tombeau pour venir nous combattre. On le tue encore pour la deuxième fois, pour ta sécurité. Et après, tu viens dire que non, on ne mérite pas que quand Dieu va te délivrer, toi qui étais enchaîné par la pauvreté, maintenant Dieu t'a béni. Financièrement, tu es riche. Et tu ne peux pas nous donner. C'est une malédiction plutôt. Ceux qui t'enseignent ça sont maudits et ils t'amènent aussi à être maudits. C'est ça la réalité. C'est ce qu'on doit vous dire. Tu étais célibataire. C'est-à-dire que les hommes, même que le rejet que tu as subi, même, ça n'a même pas de nom. Maintenant, tu viens, on prie pour toi. Tu es marié et tu juges qu'on ne mérite pas aussi quelques grâces, quelques maigres grâces même de ces biens périssables, même d'abord même ton bien même qui est un peu déchiré même. Il y a même un numéro qu'on ne voit pas dedans. Tu nous donnes ça, tu ne veux pas nous donner ça. Reste même avec. Quand tu vois même un semaine de nez, je n'aime pas le franc CFA. C'est ça la réalité. Donc mes amis, la réalité chrétienne est différente de tous ces commentaires qu'on fait sur Facebook. Je me demande si vous êtes chrétien en réalité. Ouais. Donc la Bible dit, les gens disent non. Non, on n'a pas droit à l'aisance financière. Un homme de Dieu n'a pas droit à l'aisance financière. J'ai offert une chaussure d'1 million. J'ai fait exprès de publier ça. Les gens ont dit non, vraiment. Oh, il ne doit pas porter pour 1 million. Donc, on a fabriqué ça. Pourquoi? Pour que ça reste au magasin. Hein? Pour que les païens portent. Pourquoi quand les autres portent ça, on ne parle pas? Quand les serviteurs du diable portent ça, on ne dit rien. Dès que c'est un homme de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ qui met sur le pied, wow, wow, est-ce que Jésus mettait les chaussures d'1 million? Mon ami, ça existait. La marque Mori existait à l'époque là. C'est ça le problème. Regardez dans quel point, dans quel coin vous êtes allé, dans quelle poubelle vous voulez mettre les hommes de Dieu. Vous pensez qu'on va accepter ça? On ne va pas accepter. We cannot. Nakatepiago mumi foya. I cannot. I got chop with you now. Oh, we got chop together. Si on sera élevé en homme de Dieu, on va rouler dans de belles voitures. Tu es fâché, va te pendre. Tu pars, tu te pends une fois, tu te jettes dans le voury. Ce que Dieu a dit sur nous, là, ça va arriver. Donc, vous voyez, la Bible dit quoi? Non, les hommes de Dieu n'ont pas droit aux finances. Ils n'ont pas droit à la richesse. Non. Proverbe 10, 25 dit quelque chose d'amusant. Hein? Proverbe 10, verset 25, il dit quoi? Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Non. Ce n'est pas le verset que je voulais. Ce proverbe, combien? J'ai mis 10, 25. Bon, ça, je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça. Je vous lis le verset là. C'est un verset très, très intéressant. On va revenir là-dessus. Allons-y dans Genèse. Genèse, un homme de Dieu. Pour peu que tu as l'argent, un peu d'argent, on t'insulte. Escroc, voleur. Vous pensez qu'on a quel argent au Cameroun? Nous, on a l'argent au Cameroun, sincèrement. Toi-même, tu donnes quelle offrande à Dieu? Tu donnes l'offrande. La Bible dit dans Genèse 26, verset 12. Isaac s'éma dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. C'est un serviteur de Dieu. Voici un homme de Dieu. C'est un exemple que je donne. Il dit, il a semé, il a récolté 100 fois parce que l'Éternel le bénit. Donc nous servons Dieu aujourd'hui. Dieu nous maudit. J'abandonne le boîte de nuit. J'abandonne la vie de débauche. J'abandonne la mondanité. Ma jeunesse est consacrée à Jésus. Et puis, moi, Dieu me maudit encore en plus. Maintenant, ceux qui sont des bandits, des voleurs, des escrocs qui font des crimes rituels dehors là-bas, les francs-maçons. Vous allez parler contre les francs-maçons quand? Ils sont là, ils ont le grand poste, ils roulent dans les V10, ils roulent dans les V8, ils ont de belles maisons. Vous ne parlez pas. Pour eux, c'est normal, c'est des serviteurs de Satan, c'est à eux que tous ces richesses-là doivent revenir. Mon ami, je ne peux plus accepter ça. Ce n'est pas possible. Non. Si Dieu, que Isaac a servi, est le même Dieu que moi, je prie qu'il me bénisse comme il a béni Isaac. Isaac s'éma dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Quand tu travailles, Dieu te bénit. Il a travaillé et Dieu l'a béni 100 fois. Il dit, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est ça la réalité. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est un homme qui a marché avec Dieu. Et toute sa lignée, Abraham, Isaac, Jacob, Dieu les bénit. Si c'est le Dieu de Jacob que je sers, si c'est le Dieu d'Isaac que je sers, si c'est le Dieu d'Abraham que je sers,
Et si j'obéis à ses commandements, ce Dieu doit me bénir. C'est ça la réalité. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Il avait un grand nombre de serviteurs. Il avait des troupeaux partout. Le gars était riche. C'est à cause de votre mentalité rétrograde qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tombés dans l'obscurantisme de la médiocrité, refusant de travailler, pensant que la vie éternelle, c'est juste prier, se sanctifier et attendre le retour de Jésus. Entre-temps, nos enfants iront dans quelle école? Entre-temps, nous ferons comment pour manger? Entre-temps, nous nous vêtirons comment? Il faut faire attention. C'est un faux évangile là-bas. Vous pensez que les apôtres de Jésus étaient pauvres? Hein? Non, sincèrement. On parle de la Bible. Parce que les apôtres étaient pauvres. La Bible dit que les chrétiens alors vendaient leur maison et apportaient cet argent au pied des apôtres. Les apôtres prenaient de cet argent. Quelqu'un qui ne reçoit... Moi, je reçois les offrandes, les 500, les 10 000, si on a beaucoup donné. Mais les apôtres, mes amis, la Bible explique que les apôtres, eux, c'est des maisons qu'on vendait, des terrains. Et on apportait cet argent, on le mettait, on le remettait même pas en main. Il disait, dépose ça à mes pieds. Quelqu'un apporte l'offrande à l'église. Il arrive, ça passe sur Facebook. Et je lui dis, il me tend l'offrande, je dis, pose ça sur mes chaussures. Et il met ça sur mes chaussures. Qu'est-ce que les gens vont pas dire sur Facebook? La vidéo sera virale. S'il faut vraiment faire comme les apôtres, c'est que vous allez nous crucifier. Hein? La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient l'argent de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Qui faisait les distributions? Les apôtres. Et vous pensez qu'ils étaient pauvres avec l'argent des maisons qu'on vendait, des champs et des terrains de propriété, des ranchs qu'on vendait, on leur apportait. Les gars recevaient les offrandes, c'était en termes de centaines de millions, s'il faut parler proportionnellement à aujourd'hui. Les gens vendaient des maisons, 300 millions, 1 milliard, et ils apportaient tout l'argent sans toucher 5 francs pour mettre ça sur les apôtres. Si on pratique ça aujourd'hui, si les apôtres faisaient ça aujourd'hui, les apôtres que vous prétendez défendre, que vous prétendez beaucoup aimer, hein, qui étaient simples, qui étaient pauvres, si ces apôtres-là venaient aujourd'hui, on les mettait, on les transplantait, transposait à notre génération d'aujourd'hui, et qui faisait des cultes en direct de Facebook. Et vous voyez, ok, tu as vendu ta maison, oui, viens. Papa, vas-y, là, pose ça sur la chaussure, sur ma chaussure. Il met, hein, et toi, la veuve, si vient, dit, j'ai aussi vendu ma maison. Hein, et il ne demande pas que tu vas dormir ou après. Il dit, mets l'argent ici. Et vous allez dire quoi? C'est des cupides. Ils aiment l'argent. C'est ça la vérité. Vous les auriez crucifiés. Maintenant, hypocrite que vous êtes, vous faites comme si vous les défendiez. Vous savez bien comment ils vivaient. S'il faut que nous faisions ça, vous devez vendre vos maisons, nous apporter cet argent maintenant. Nous n'appliquons pas la Bible, mes amis, à ce qui concerne le donner, à ce qui concerne l'argent. Nous ne pratiquons nullement pas la Bible. Les gars ne riaient pas avec. Ils ne riaient pas avec. Les premiers chrétiens vendaient leurs champs, leurs maisons, leurs possessions, si les voitures existaient, leurs voitures, leurs ânes, tout. Et ils venaient déposer l'argent au pied des apôtres à l'église. Ce n'est pas l'escroquerie, ce n'est pas ça que vous appelez l'escroquerie aujourd'hui. Mais ils le faisaient pour la cause de l'évangile. Ils étaient dans une réalité que les païens ne comprenaient pas, parce que c'est normal que quelqu'un ne comprenne pas comment quelqu'un peut vendre sa maison pour dire qu'il donne ça à Dieu qui ne voit pas. Et il dépose au pied des hommes de Dieu. Qui dépensait cet argent? Qui décidait de comment cet argent allait être géré? C'était les apôtres. Ce n'était que les apôtres entre eux. Donc c'est normal que les gens mal affermés aujourd'hui, ils racontent des bêtises, des âneries, des conneries, je ne sais pas de quoi, trouver des mots de la même famille, des anonymes. Et c'est ça la vérité. Vous parlez des choses que vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez rien. C'est-à-dire vous parlez dans un baragouin cacophonique, dans un agglomérat d'erreurs, un conglomérat d'erreurs et de quiproquos, parlant comme des rikikis en ce qui concerne la Bible. C'est ça la vérité. Au lieu de parler comme des zènes, hein, au lieu de parler comme des zènes, pas vous aborder des sujets, c'est-à-dire des sujets qui vous dépassent, qui sont déçus de votre entendement. C'est un problème sérieux, mes amis. Vous voyez. Bon, maintenant, vous voyez, vous arrivez ici et vous vous dites, ok, il n'y a pas de problème. Vous dites, mais ok, on va laisser ça, laissons passer cela.
Ah, comment on peut garder un homme de Dieu, le protocole? Vous savez, au début, je n'aimais pas le protocole. Pour ceux qui sont au début de mon ministère, ils savent cela. Non, non, je n'aimais pas le protocole. Je n'aimais pas le protocole au début. C'est dans une révélation pendant que je dors que le Seigneur me dit, tu as besoin d'être gardé. Sois prudent. Protège-toi. C'est pas parce que je suis un homme de Dieu, je suis un prophète, que Dieu veille sur moi, que mon ami, je vais commencer à manger n'importe où en désordre, sachant même qu'on peut m'empoisonner quelque part. Être homme de Dieu ne veut pas dire qu'on ne prend pas des précautions de sécurité. On a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été poignardés dans la foule, etc. Il faut que les gens comprennent cela. C'est important. Donc, si en venant à l'église, là, les agresseurs arrêtent ma voiture, ou bien on me casse les vitres, les pare-brise, on nous agresse en route, vous allez dire quoi? C'est vous-même qui allez vous moquer de cela. C'est normal que dans une église, les gens prennent la vie de leur pasteur comme étant précieuse, parce que toute l'église tourne autour de la vie de l'homme de Dieu. Si je disparais aujourd'hui, le ministère là aura des problèmes. Mais si ça fonctionne, ça ne peut plus fonctionner comme lorsque moi, je suis là. C'est ça la vérité. Lorsque les apôtres ont tous disparu, l'église n'a plus jamais été la même jusqu'à nos jours, 2000 ans après. Donc c'est normal qu'une église dise que la vie de notre pasteur est importante. Nous sommes dans une saison mauvaise. Au Cameroun, avec ce que nous traversons actuellement, c'est dangereux. N'importe qui peut faire n'importe quoi au nom de n'importe qui et de n'importe quoi. Il ne faut pas prendre aussi moins cher la vie des hommes de Dieu. Les gens disent, ok, d'accord. Jésus-Christ, lui, n'avait pas de protocole. Il n'avait pas besoin de protocole. Menteur, ignorant. Vous êtes ignorant, sincèrement. Désolé, hein, ce n'est pas une insulte. Mais c'est une vérité que je vous donne. C'est une vérité de la palisse. Ouais. Oh non, Jésus n'a pas besoin de protocole. On vous a dit que pour s'approcher de Jésus, c'était facile. Ce n'était pas du tout facile, mes amis. Ne s'approchez pas de Jésus-Christ qui voulait. À une certaine occasion, un malade a voulu s'approcher. Le protocole était tellement rude qu'ils ont percé le toit de la maison pour faire descendre le malade devant Jésus-Christ. Parce que les apôtres empêchaient qu'on s'approche de Jésus. Le protocole de Jésus-Christ avait les dents en acier. Les apôtres formaient toujours une chaîne autour de Jésus. C'est-à-dire un cordon de sécurité autour de Jésus. Les 12 apôtres, leur rôle, c'était quoi? Deux rôles. Ils étaient formés, ils apprenaient de Jésus et ils protégeaient Jésus. Là, ils me demandaient que c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait ça? Maintenant, je vais vous montrer les deux dimensions de protection de Jésus. Maintenant, si on vous demande, est-ce que vous savez que les apôtres ont été armés? C'est-à-dire qu'ils protégeaient Jésus avec des armes sur eux. Vous allez dire quoi? Sincèrement, Jésus-Christ, que tu dis que oh, Jésus était simple. Je vais te montrer maintenant la simplicité de Jésus-là. Je vais te montrer que Jésus lui-même a armé les apôtres pour sa sécurité. Donc, premièrement, prends ta Bible avec moi. On va aller vite. Prends ta Bible. On va lire la Bible ensemble dans le livre de Matthieu. On va aller dans Matthieu. On va d'abord lire le livre de Matthieu, chapitre 19, 13 à 15. Matthieu, chapitre 19, verset 13 à 15. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. J'ai dit que je ne lis pas en grec, je lis en français. Alors, la Bible explique qu'on a amené les enfants. Les apôtres ont dit, personne n'arrive à lui. On a bloqué les enfants. Et Jésus intervient. Il dit à ses apôtres, il dit, si ce n'est que les enfants, laissez au moins les enfants venir. Mais les parents, oui, retenez-les. Les adultes, retenez-les. Mais laissez les enfants venir, parce qu'il n'y a aucun mal. Parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Et il leur a imposé les mains. C'est où les apôtres laissent passer les enfants. Ce verset laisse entrevoir une vérité sous-jacente et sous-entendue qui nous fait comprendre qu'on ne s'approchait pas de Jésus-Christ n'importe comment. Et Jésus était conscient de cela. C'était pour sa sécurité. C'était important. Donc, même les enfants, les apôtres, le protocole de Jésus ne permettait pas que même les enfants s'approchent de lui. Donc, de temps en temps, il fallait que Jésus intervienne pour demander aux apôtres de laisser passer au moins les enfants pour qu'il leur imposât les mains. Donc Jésus était gardé. Jésus était sécurisé. Et c'était normal, sinon la foule allait le déchirer. Allait déchirer ses vêtements. C'est ça la réalité. Avec la grâce qu'il avait, étant une personnalité publique comme il était, et avec le désir et la soif qu'il suscitait dans la foule, si les 12 apôtres n'étaient pas là pour la sécurité de Jésus, les programmes finiraient toujours dans le désordre. Et Jésus retournerait toujours chez lui, les vêtements déchirés. Donc les apôtres parfois étaient débordés. Et il y a tellement de passages bibliques qui montre que
Les apôtres empêchaient les gens de s'approcher. Parfois, même Jésus trouvait qu'ils se querellaient avec certains parents. Non, je suis venu avec mon malade, on ne veut pas que je te voie. Et Jésus dit, ok, laissez-le venir. Donc, les apôtres étaient là, c'est normal qu'on protège un homme de Dieu. C'est normal qu'il y ait un protocole autour d'un homme de Dieu. Dieu est un Dieu protocolaire. Voilà ce qui m'a convaincu. Dans la vision, Dieu m'a dit, je suis un Dieu protocolaire. Tu n'arrives pas à moi n'importe comment. Il dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Mon ami, c'est ça qu'on appelle protocole. Au ciel, il y a des... Comment on dit ça? Peut-être je reviendrai sur le protocole de Dieu pour vous montrer les mystères du protocole divin. Hein? Autour du trône, ça veut dire qu'il y a des ceintures pour arriver à Dieu, il y a des barrières, des dimensions, des familles qui vont traverser pour arriver jusqu'à Dieu. Tu n'arrives pas au trône de Dieu librement comme ça, la voie libre. Non, mes amis, ce n'est pas possible. Il y a des dimensions, il y a un protocole terrible. Même lorsque Dieu est un Dieu protocolaire, mes amis, Dieu est un Dieu protocolaire. L'ange de l'éternel, quand tous ceux qui le craignent, il les arrange dans ce nous avons cité ce verset, mais nous ne comprenons pas que c'est le protocole. L'ange vient jouer le protocole derrière toi. Lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu a mis un chérubin protecteur. C'est ça qu'on appelle protocole. Dieu est un Dieu protocolaire. Mais je ne parle pas du protocole de Dieu. Je parle du protocole de Jésus-Christ d'abord. Permets-moi de finir ça. Maintenant, lorsque vous regardez, vous trouverez que les apôtres formaient l'essentiel de la sécurité du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous regardez... nous parlons dans Jean, chapitre 18. Prends ta Bible avec moi, s'il te plaît. Jean, chapitre 18. Il a dit que dimanche prochain, je vais mettre un garde sur le toit de ma voiture. Vous allez encore parler. Je vais vous donner à parler. Mais pourvu que vous abonnez, pardon. Il n'y a pas de problème. Jean 18, on n'est pas des ennemis. Tu peux insulter, il n'y a rien. C'est normal. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Jean 18, versets 7 à 11. La Bible dit ceci. Écoute bien, écoute bien. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. » Il ne dit pas, « Jette ton épée. » Il ne dit pas, « Débarrasse-toi de ton épée. » Il dit, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée de boire ? Remets ton épée dans le fourreau. » Il ne dit pas, « Jette. » Remets, ça peut servir demain. Ça peut t'aider demain, ça peut nous aider demain. L'épée la remet dans ce fourreau. Donc, Jésus savait que Pierre était armé. Pierre était armé pour défendre qui? Sa propre vie ou bien celle de Jésus? Pour défendre Jésus-Christ. Les apôtres étaient armés, mes amis. Les apôtres étaient armés pour la sécurité de Jésus. Moi, vous voyez des gens courir autour de ma voiture. Ils ont les mains vides. Bon, je vais leur trouver les épées. Je vais leur donner. Dimanche prochain, ils vont courir avec les épées en main. Pour être conformes à la sécurité que Jésus-Christ avait aussi établie autour de lui. Hein? Les gars étaient armés, ils protégeaient Jésus. Voici ce que la Bible explique. Ils avaient les épées pour la protection de leur pasteur, de leur papa spirituel. Et vous venez dire, oh, Jésus était un. Est-ce qu'on gardait Jésus? Est-ce qu'on gardait Jésus? Je crois que c'est le livre rouge de la révolution chinoise et de Mao Tse-Tung, du communisme Mao Tse-Tung que toi tu lis. Ce n'est pas la Bible. Si tu lisais la Bible, tu ne parlerais pas des anéries comme celle-ci. Maintenant, lorsque vous regardez, laissons même ça. Je vais vous expliquer quelque chose de plus grave encore. Maintenant, l'apôtre Pierre a fait comment pour avoir l'épée? Hein? Il a fait comment? Jésus savait qu'il a l'épée. C'est Jésus lui-même qui leur a donné les épées. C'est Jésus qui leur a donné les épées, mes amis. C'est Jésus qui a donné les épées aux apôtres. Pierre n'a pas pris l'épée parce qu'il voulait prendre l'épée. Non! C'est Jésus-Christ qui leur donne l'épée. C'est Jésus qui enseigne. Il les arme, armez-vous. C'est Jésus qui leur donne l'épée pour sa sécurité. Et Jésus leur donne les épées la veille. Ça dit que le jour même, on va l'arrêter. Parce qu'il savait que comme il va à Gethsemane, on cesserait à l'arrêter là-bas. Il a armé les apôtres. Lisons ça ensemble. Dans Luc chapitre 22, versets 35 à 39. Je lis ça comme c'est écrit. Il leur dit encore. Ça, c'est avant qu'il n'aille à Gethsemane. Hein. On a vu où on a vu l'arrêter. Pierre a coupé l'oreille. Maintenant, regardons ce qui s'est passé ici.
Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Il dit, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, cela suffit. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Ah, Seigneur, on a deux épées. Il dit, c'est bon, ça peut faire l'affaire. Gardez-nous ça. Mettez ça. Portez, on part. Allons-y. Voilà où Jésus quitte, c'est sa dernière réunion, quitte avec les apôtres pour aller au mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémané, où on viendra l'arrêter plus tard. Il leur dit, vendez même les habits, achetez-moi les épées. Il y en avait qui étaient derrière, mais on a dit, Seigneur, il y a deux épées ici. Il dit, ok, vous connaissez Manessa, oui. Perfecto. Prenez ça, allons. Accompagnez-moi au jardin de Gethsémané. C'est la Bible, mes amis. C'est de ce Jésus que vous dites qu'il ne t'est pas gardé, il ne t'est pas protégé. Donc, je suis en train de vous montrer que vous ne le connaissez pas. Je vous prouve bibliquement que ce n'est pas le même Jésus de la Bible si que vous vous défendez. C'est un faux Jésus. Celui que vous défendez n'existe pas dans la Bible. Si c'est le Jésus de la Bible, on ne s'approchait pas de lui n'importe comment. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui parle à 12 000 personnes, il faut un protocole pour sécuriser sa vie, pour veiller sur lui. Pour le garder, pour qu'il se ménage lui-même. Il fallait une sécurité parce que sa vie était en danger parmi les Juifs tous les jours. Il était gardé, il était protégé. Les apôtres étaient armés. Et c'est Jésus qui leur demande de prendre les épées pour sa propre sécurité. C'est de ce Jésus que je vous parle dans l'Écriture. Donc, mes amis, vous voyez, c'est compliqué lorsque tu manges le pain rassis d'hier. Et tu veux parler à quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce de manger le pain quotidien de ce jour et à qui Dieu a quand même donné quelques bribes, quelques morceaux, quelques tranches du pain de demain. Et tu viens parler. Avant de me parler, lisez bien vos Bibles. Avant de parler au prophète Ferdinand et Canet, avant de venir parler discussion doctrinale et tout, avant de citer la Bible avec moi, s'il vous plaît, rassurez-vous de retourner dans le grec, de maîtriser, comprendre un peu l'étymologie grecque, comprendre les contours et les tournures de langage dans la linguistique grec ou hébraïque, avant d'oser parler de la doctrine biblique me concernant. Je pense que dans ma nature, je ne suis pas quelqu'un d'hautain, ni d'altruiste ou de mégalomane. Non. Dieu m'a aidé. Dieu m'a fait grâce. Et il m'a donné des recommandations sévères, strictes et personnelles en ce qui concerne l'humilité. Mais cette humilité ne veut pas dire qu'on va accepter n'importe quoi. On va accepter des dérives qui relèvent du domaine des âneries. Non. On doit revenir pour essayer de recadrer les choses à la lumière des Saintes Écritures. Dans tous les cas, pour le reste, que Dieu te bénisse. Les habitants de Douala, je suis dans la ville de Douala. Je veux dire à tous les habitants de Douala, ce soir, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 16h, en Dogbon, derrière l'immeuble Kamler, je t'attends. Nous avons 3 jours de festival de prophétie, de délivrance, de prière. On va prier jusqu'à déplacer les montagnes de ta vie. On va prier, obliger les portes fermées de ta vie de s'ouvrir. Si les choses ne changent pas dans ta vie, nous allons les changer nous-mêmes. Dieu se manifestera puissamment. Ceux qui sont malades, venez. Si tu attends une visitation de Dieu, viens. Tu as une soif profonde de Dieu, de voir la main de Dieu dans ta vie. S'il te plaît, ne manque pas. Mardi, mercredi, jeudi, ce soir, à partir de 16h, tu es mon invité personnel. Viens avec ton problème, viens avec ton cas. Il y a des fardeaux que tu portes. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Je suis dans la ville de Douala. Mes pieds ont foulé cette ville. Et je sais que c'est pour ta délivrance. Ne reste pas à la maison. Prends ton taxi rapidement. Entre dans ta voiture. Démarre. Donc bon, derrière immeuble Kamler. Sois là tout à l'heure à partir de 16h. Ça sera terrible. La puissance de Dieu sera au rendez-vous. Et tu retourneras chez toi étant béni. Que Dieu te bénisse. En venant, jeudi, nous allons clôturer avec chacun sa bouteille d'eau. Tu viens avec ta bouteille d'eau. Et laisse Dieu te toucher. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.